Me la liste à poncer et tronçonneuse en main, l'artiste sculpteur Ngoma Saga et son équipe s'activent pour donner des formes à ce tronc d'Okoumé de près de 11 mètres. Pour avoir fait la première statue de Marie dans le domaine culturel, dans le domaine religieux, il a voulu aussi matérialiser l'Afrique. L'artiste n'est pas seul parce que c'est plus d'une cinquantaine de personnes. C'est tout un ensemble d'artisans qui sont autour de ce projet et qui l'accompagnent avec tous les autres partenaires que je ne vais pas citer aujourd'hui. Avec cette statuette en cours de finition, près d'un feu de bois au quartier Ali Bondingue, dans le premier arrondissement de Libreville, le bois livre progressivement ses secrets sous l'inspiration des artistes. Nous sommes là déjà pour développer ce projet et faire valoir ce que nous savons faire, qui est l'artisanat, la sculpture sur bois. Vous voyez, beaucoup de personnes passent ici, ils se rendent compte que les jeunes Gabonais sont à même de mener à bien de tels projets. Quelle œuvre sortira de ce projet de sculpture géante sur bois? Difficile à dire à cette étape de la conception. Seul l'artiste qui explore toutes les potentialités de son support le perçoit. Une fois fini, les œuvres seront offertes à des personnalités sur le continent africain.